Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on voulait vous faire une petite vidéo d'actualité. Ça faisait un petit moment qu'on ne vous en avait pas fait parce que c'est vrai que l'actualité depuis l'annonce de la sortie, bah dirons-nous, de la série HBO Harry Potter... Bah pour l'instant, elle est un petit peu vide. Hein. On n'avait pas grand, grand chose à se mettre sous la dent. Bon, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses. Encore une fois, on va bientôt vous reparler de la question du casting de la série Harry Potter. Mais voilà, pour l'instant, on n'y est pas encore. On ne voulait pas, entre guillemets, euh, vous faire 50 000 vidéos sur le sujet. Donc euh, voilà, on verra ça tranquillement euh, la semaine prochaine. Ou même peut-être aller la semaine d'après, qui sait. Soyons fous, de toute façon, on a un petit peu de temps devant nous pour pouvoir parler de cette série. Donc pour l'instant, nous n'avons absolument aucune date. Donc non, aujourd'hui, on voulait vous parler alors cette année très consacrée aux jeux vidéo mais d'un jeu évidemment qui est sorti hier donc sur toutes les plateformes android et euh, apple même si ça a mis un petit peu de temps à arriver chez apple hier hein, donc ce qui fait qu'on n'a pas encore pu véritablement l'essayer vous savez c'est le jeu donc sur mobile harry potter et la magie émerge bon on va un petit peu essayer de faire cette vidéo déjà pour vous présenter un petit peu le concept du jeu mais aussi pour vous expliquer un petit peu dans quel type de concept il se, euh, il se trouve. alors on avait parlé sur cette chaîne effectivement que ce nouveau jeu allait débarquer sur nos mobiles euh, cette année. En fait, il devait débarquer l'année dernière, mais avec les retards de Hogwarts Legacy, etc., fin, on sentait bien qu'il y avait un petit peu de difficulté pour la Warner de le mettre, on va dire, sur une échelle spatio-temporelle qui était à peu près correcte entre les sorties de toutes les différentes versions de Hogwarts Legacy, et vous savez qu'encore aujourd'hui, la question de la Switch reste en suspens pour la fin de l'année, euh, donc euh, voilà, et que finalement, bah, la Warner ne savait pas trop, trop bien quoi faire de ce jeu vidéo, qui quelque part est un jeu vidéo qui est déjà grosso modo rentabilisé parce qu'il est sorti il y a déjà maintenant un petit moment en Asie donc quelque part il n'y a plus grand chose à gagner pour la Warner sur ce jeu. Mais bon voilà, il fallait le sortir mais ils ne savaient pas exactement quand et bon finalement ils ont fini par se décider un petit peu en toute hâte et sans non plus d'ailleurs qu'il y ait une communication absolument démentielle dessus euh, de nous le sortir. Donc hier euh, pour euh, effectivement l'Europe et notamment l'Amérique du Nord. Alors. Pour être honnête, ce n'est pas le premier jeu hein, euh, Harry Potter qui débarque sur euh, mobile. Hein, euh, Là-dessus, on est vraiment dans un contexte où on est sur une très longue suite de continuité, d'immenses réussites, d'immenses échecs également. Et on trouvait d'ailleurs que c'était un petit peu intéressant de vous en parler, parce que, en fonction des générations, peut-être que certains les ont connus, peut-être que d'autres ne les ont pas connus. Et donc on va essayer un petit peu de euh, parler euh, un petit peu des différents types de jeux vidéo qui ont existé fut une époque. Alors je vous parle pas des jeux vidéo qui existaient à l'époque. Presque du Nokia 3310 où euh, voilà, on avait des espèces de trucs absolument horribles qui ressemblaient plus ou moins à du Tetris, euh, dont on n'a même pas réussi à retrouver les noms, tellement le machin il a dû être archivé, détruit et euh, que tout le monde a voulu oublier l'existence. Euh, donc, de ces jeux, euh, vous savez, quand on avait des écrans, alors là ça peut-être pas parler aux plus jeunes, hein, mais euh, quand on avait des écrans à 4096 couleurs et qu'on se disait, waouh, on est au sommet de ce que peut faire la technologie. Voilà, 4096 couleurs, aujourd'hui, un iPhone vaut mieux qu'une télévision, mais sinon, tout va très bien. Donc bref, tous ces jeux-là, on ne va pas trop en parler, parce que là, pour le coup, euh, on a déjà, un, on en a probablement loupé euh, certains, et deuxièmement, je pense que là, on ne parlerait quasiment à personne. Bref, on va commencer peut-être par celui qui a été le plus emblématique, celui qui a été, pour le coup, franchement, une véritable réussite, mais qui a aussi été un sacrifice, mais monumental de la Warner, c'est... Harry Potter Wizard's Unit. Alors, Wizard's Unit, pour euh, ceux qui s'en souviennent, et c'était là une époque avant le Covid, vous savez quand c'était un monde tout à fait normal, où vous dans la rue, vous paraissait être l'acte le plus banal du siècle, et qu'ensuite il a fallu 50 000 attestations juste pour expliquer que vous sortiez le chien. Et bien en fait, juste avant, il y avait un jeu, qui était absolument extraordinaire, qui s'appelait Harry Potter Wizard's Unit, que... Probablement beaucoup d'entre vous ont connu qui reprenait l'exacte, on va dire, euh, euh, copie qui était l'exacte copie d'un jeu très célèbre qui s'appelait Pokémon Go. Pokémon Go qui existe d'ailleurs toujours, qui a été développé par Niantic et où, bah là, en fait, le principe c'était non pas d'attraper des Pokémon évidemment dans Harry Potter, les Pokémon ça va pas vraiment avec, mais c'était de choper des retrouvables, c'est-à-dire des artefacts du monde magique, des personnages, etc. Enfin bref, il y avait tout un tas de trucs, toute une histoire d'ailleurs qui n'était pas totalement inattendue qui avait été inventé pour, on va dire, les besoins, les besoins de, de, de l'exercice de ce jeu. Et donc, voilà, il fallait marcher dans la rue, aller chercher de l'énergie, aller chercher des sorts, etc. Enfin, c'était un jeu qui au départ était très, très addictif, qui était vraiment assez cool. Il y avait en plus des événements très réguliers qui étaient organisés et tout. Et là, patatrape est arrivé le Covid. Donc là, vous vous retrouvez confiné chez vous, dans votre appartement. Vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Et donc, par définition, Withers Unit ne sert absolument plus à rien. Mais genre à rien du tout. Alors, ils ont bien essayé de faire quelques petites mises à jour en mode non, mais en fait, vous pouvez faire des combats depuis chez vous, etc. Bon, tout ça a été sympa. C'est vrai que ça nous a un peu occupés pendant le confinement, il faut l'avouer. Ça nous a un petit peu occupés. À l'époque, nous n'avions pas encore le bonheur d'avoir cette chaîne. Mais, bon, il y a quelque chose qui s'était vraiment cassé, on va dire. Et puis, bah après... Euh voilà, après le confinement, bon, fallait faire attention que le masque soit bien droit, fallait qu'on ait l'attestation dans la main droite, fallait qu'on ait le QR code dans la main gauche, et donc du coup, euh, voilà, euh, avec les coups les machins, les gels hydroalcooliques, enfin bref. On savait plus comment s'en tirer et donc finalement tout le monde a arrêté Wizard unit Et en fait au final, bah euh, Niantic s'en est un petit peu aperçu. Alors ils pouvaient pas arrêter Pokémon Go parce que Pokémon Go, voilà, ça leur rapporte un cash pas possible. Là, Wizard unit ça leur rapportait pas énormément et ils se sont dit bon bah, on va changer notre fusil d'épaule et on va développer un nouveau jeu. Pimkin. Alors Pimkin, euh, normalement euh, ceux qui ont eu la GameCube, vous connaissez ce jeu, voilà, ils ont voulu en faire une adaptation. Personnellement, on n'y avait pas euh, souscrit euh, plus que ça, donc euh, voilà. Mais ils nous ont fermé Wizards unit, pas du jour au lendemain. Hein. Ils nous ont laissé juste le temps de nous dire "Au fait, vous ne verrez plus jamais vos personnages. Et puis tout ce que vous avez fait n'aura servi à absolument rien. Vous n'avez pas terminé vos quêtes, ce n'est absolument pas grave parce que on va vous fermer le service. Voilà, et Wizards Unit a disparu euh, un jour, comme ça, presque sans crier garde. Et euh, là, c'est vrai que ça a été quand même, pour le coup, quelque chose de dommage parce que c'était peut-être, franchement, l'un des meilleurs jeux vidéo qui ait pu exister. Voilà, on voulait quand même rendre hommage à Wizards Unit. Alors autre jeu évidemment qui fonctionne et qui fonctionne d'ailleurs toujours très très bien et même on avait vu des résultats passés euh, au niveau euh, justement bah, des résultats financiers de la Warner et qui rapporte un jeu un, un fric mais pas possible c'est en fait euh, le jeu de puzzle euh, et d'énigmes Harry Potter euh, qui a d'ailleurs été euh, rebaptisé assez récemment en France Enigme et sort Harry Potter les mecs ils sont ultra dans le conceptuel au niveau des des titres de jeux vidéo c'est du bonheur. Bref, Enigme et Sœurs de Harry Potter, voilà, c'était plutôt pas trop mal. C'était, euh, enfin, c'est, un espèce de Candy Crush, de Candy Crush du pauvre, en un petit chouïa moins addictif, mais quand même qui peut Franchement, bien occupé sur un trajet de train, sur un trajet de, de bus. Enfin, voilà, ça, ça, ça peut aider. Mais là, on est vraiment dans l'esprit Candy Crush. Hein, C'est-à-dire que c'est le jeu de puzzle que vous allez avoir euh, dans 50 millions de possibilités. Bon, il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de machins. Bon, c'est pas mal. Ça mange pas quatre pattes un canard, mais au moins, euh, ça aide un petit peu. Autre jeu, alors là, qui pour le coup est un mastodonte et qui, à ce stade, n'a pas encore été supprimé, c'est Harry Potter Hogwarts Mystery. Donc, ça, on sait que là, pour le coup, il y a des tas de gens qui sont ultra fans de Harry Potter Hogwarts Mystery, qui en plus a quand même pour principal intérêt d'explorer une période qui est en fait. Postérieure, enfin antérieure à la période où on connaît Harry Potter par exemple à Poudlard. On va découvrir notamment la jeunesse de Quirel, etc. Enfin, il va y avoir tout un tas de choses. Alors avec des événements qui sont liés effectivement à ce qu'avait pu déclarer J.K. Rowling dans un certain nombre de scènes et tout. Et puis des événements évidemment qui sont totalement, qui sont totalement inventés. Donc nous, ce n'est pas un jeu auquel on a joué, plus par manque de temps d'ailleurs qu'autre chose. Et parce qu'en vérité, on n'est pas super 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 fan des jeux sur mobile. C'est quand même assez rare qu'on y passe beaucoup beaucoup de temps. Alors là pour Harry Potter, euh, euh, Magic Awakens, enfin la magie émerge, on va, euh, on va dire qu'on va faire une petite... Une petite euh Discrétion. Alors d'ailleurs, on vous fera peut-être une vidéo. Il faut qu'on regarde si on peut vous faire une vidéo euh, là-dessus pour, pour voir comment ça, ça fonctionne et, euh, et si euh, ça, ça peut vous intéresser. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez qu'on vous donne notre avis. Mais c'est vrai qu'Harry Potter Hogwarts Mystery, on n'y avait pas franchement ultra adhéré. On suit un parcours qui est assez long, euh, mais il y a des gens qui adorent et c'est un énorme carton qui ne s'est jamais, jamais, jamais démenti. Alors, dans un autre genre, on a voulu aussi vous parler de Harry Potter Magic Castle en Alors, on va nous dire, ouais, mais ce n'est pas disponible en Europe, c'est pas vraiment un jeu, machin, etc. Alors, c'est vrai que ce n'est pas véritablement un jeu, mais en même temps, c'est une application sur smartphone euh, et également sur télévision. Mais si vous n'avez pas de smartphone, vous ne pouvez pas, euh, bah, on va dire, jouer avec votre manette, qui, bah, quand même, quelque part, euh, se rapproche quand même un peu d'un jeu vidéo. Alors, le problème, c'est que Harry Potter Magic Caster One, pour l'instant, c'est un peu, entre guillemets, le bordel. On vous explique pourquoi. En fait, il y a des problèmes de droit qui sont survenus alors que bah les baguettes avaient été mises en vente. Donc du coup, la majorité des baguettes sont parties. Maintenant, pour l'instant, elles sont plus en vente et donc du coup, c'est parti en complètement, complètement envri cette histoire parce que voilà, il y a différents fabricants qui se font une guerre au brevet et donc on ne sait pas véritablement ce qu'il en est. Et donc le plan de développement qui était celui de la Magic Caster Wand qui devait se développer en Asie, qui devait se développer euh, ensuite dans d'autres pays. À ce stade pour l'instant, ça sent un peu le pâté qui serait resté un petit peu trop longtemps au soleil après un petit apéro. Donc, euh, bon, on va pas s'éterniser sur Harry Potter Magic Castle mais nous sommes très contents car nous avons une des baguettes, la Heroic Magic Castle qui n'est disponible qu'en 1000 exemplaires dans le monde entier. Et donc, nous en sommes très, très, très heureux. Et puis, on en a également une autre, une honorable, mais qui n'était pas en version, euh, en version euh, limitée. Donc, grosso modo, voilà ce qu'on pouvait vous dire un petit peu sur ce qui se passe au niveau des jeux vidéo sur mobile. Et donc c'est ici qu'arrive donc Harry Potter, la magie émerge. Il sonne très 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 mal ce nom. Franchement, il a beaucoup plus de gueule en anglais. Harry Potter Magic Awakened. Bon. Bref, la magie émerge arrive. Alors c'est pas franchement une nouveauté, on vous l'a dit, il est déjà sorti en Asie il y a plusieurs années, et a même rencontré un franc succès. Et donc là-dessus, bah, forcément, quand quelque chose a du succès, tout de suite la Warner se dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas le transposer Genre par exemple, ah ouais, les studios à Londres, ça fonctionne vachement bien. Ah bah ouais, mais si on en ouvrait à Tokyo Ah ouais, c'est une super idée. Ah bah ouais, mais attends, en fait, on n'a pas filmé les films à Tokyo. Ouais, non, mais laisse tomber, c'est pas grave, ils comprendront rien, ils sont japonais, c'est pas grave, ils sont contents. En vrai, c'est comme ça que ça s'est passé un petit peu. Bah, là, Harry Potter Magic Awakened, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, grosso modo, ah ouais, on a un super jeu, bah, dis-donc, ça nous a rapporté pas mal d'argent en Asie, et si on le transposait ailleurs Oui, mais en fait, tu sais, le marché européen n'est pas super super fan des jeux de cartes, c'est pas le truc auquel les gens sont véritablement habitués. Non, mais c'est pas grave, laisse tomber, ça passera, et il y a Harry Potter dans le titre. Bon, grosso modo, la stratégie, elle est là. Alors, forcément, bah, quand on arrive avec un jeu comme ça, bon quelque part c'est très rentable pour l'entreprise et surtout qu'en plus la Warner là euh, vu la tôle qu'ils sont en train de se prendre euh, sur Flash autant vous dire qu'il y a euh, vraiment besoin de faire rentrer beaucoup 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 d'argent dans les caisses sur, toutes, euh, sur tous les niveaux avant qu'il n'ait à se séparer on va dire de filiales un petit peu plus emmerdantes que celles des musiques de films. là on vous en reparlera dans une autre vidéo mais la situation économique de la Warner est très très compliquée alors ça n'impacte pas directement Harry Potter à ce stade, quoique, mais ça pourrait le faire. Donc bref, donc Harry Potter Magic Awaken, qui est une application avec laquelle vous avez la possibilité de faire des achats intégrés, forcément, bah, ça permet quand même de ramener un petit peu de cash, sachant que tous les frais de développement avait été payé pour la version asiatique et donc au final il n'a suffi qu'entre guillemets que de faire eh, on va dire de la traduction et euh, de la voix off et puis comme ça au moins c'est euh, plus simple donc ça coûte pas très très cher et ça permet de ramener assez gros donc là on est vraiment sur quelque chose qui est un investissement alors la sortie de ce jeu évidemment elle s'inscrit dans le contexte euh, où il y a eu effectivement Hogwarts et Legacy qui a réintroduit un petit peu le monde magique dans le monde des jeux vidéo et donc euh, et qui est devenu en fait une franchise vidéoludique. Ça faisait très très longtemps que Harry Potter n'était plus présent sur console. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un produit Wizarding World, on va dire, d'une telle ampleur que celle de Warcraft aussi. Donc forcément, bah, quelque part, ça permet aussi de légitimer le fait qu'on sorte un nouveau jeu sur euh, bah, euh, des plateformes mobiles comme c'est le cas par exemple d'un téléphone portable euh, et sur Android, etc. Où bah, finalement, on est un peu dans le contexte où les gens... Bah, sortent d'Ogwarth Legacy, ont terminé Ogwarth Legacy, alors on pas forcément envie de leur faire tout de suite, tout de suite. Et puis, il euh, bah, euh, y a aussi tous ceux qui sont sur Switch et qui doivent attendre au mois de novembre et qui attendront probablement encore l'année d'après avant d'avoir euh, effectivement ce jeu sur, euh, sur Switch. Donc, quelque part, c'était un peu l'occasion qu'ils faisaient de la ronde et ils se sont dit, on va profiter de tout ça pour bah, effectivement faire plonger le spectateur un petit peu dans cette, euh, cette époque-là euh, où on le ramène bah, à des événements qu'il connaît, c'est-à-dire les événements de... Harry Potter. Parce qu'il faut quand même se dire que là, effectivement, où Hogwarts Legacy était vraiment sur une période très antérieure aux événements de Harry Potter, là, pour le coup, euh, Harry Potter Magic Awakened, Harry Potter, la magie émerge. Euh, on est totalement en fait baigné dans l'aventure de Harry Potter telle qu'on la connaît. Vous verrez qu'il n'y aura pas véritablement grand chose. Euh, donc c'est un jeu de cartes. Voilà où il va falloir euh, en utiliser pour réussir à avancer donc dans l'aventure que l'on connaît déjà, qui est une aventure qui est globalement sensiblement la même, si ce n'est exactement la même que celle des livres. Donc, il n'y a pas de très, très, très grande surprise. La vraie originalité, en fait, de Harry Potter Magic Weekend c'est surtout, en fait, le côté visuel de l'application. Alors, qu'il a un côté qui est un peu, certains disent manga, mais nous, on l'associe plutôt, on va dire, au côté très Tim Burtonien euh, dans les dessins. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple des euh, films qui sont très très graphiques et qui font partie d'ailleurs euh, personnellement de mes films préférés, euh, Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir de, de Tim Burton, où joue d'ailleurs Elena Bonham Carter, euh, vous avez un petit peu le même type de dessin c'est-à-dire qu'on est vraiment en fait dans cette espèce d'imaginaire très Tim euh, alors qu'il plaît beaucoup aux asiatiques qui en France et en Europe traditionnellement plaît un petit peu moins c'est pour ça d'ailleurs de base que ce jeu ne devait pas sortir en Europe et là en fait la vraie originalité elle est quand même graphique et c'est vrai que a priori de tout ce qu'on a pu voir passer on est quand même sur quelque chose d'assez sympathique alors en plus c'est pas non plus totalement sans rappeler les nouvelles couvertures qui ont été publiées par Gallimard jeunesse de Harry Potter ces derniers temps. Alors bon, nous on les a pas encore achetés parce qu'on sait pas bien quoi en penser. En fait, on les adore et en même temps il y a un truc qui nous perturbe sur ces sur ses couvertures et on a du mal à expliquer quoi. Il y a un truc qui nous perturbe et pourtant les éditions de Harry Potter on en a plein dans plein de formats différents. Mais là je sais pas, on a un truc qui va pour l'instant on va pas, mais un de ces quatre on va aller les acheter quand même. On va se motiver un petit peu là-dessus. Alors la question sur Harry Potter Magic et Weekend, c'est est-ce que nous on va y jouer? Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, malgré le fait qu'on soit des méga fans de Harry Potter, s'il n'y avait pas la chaîne, je ne suis pas sûr qu'on y jouerait, parce que, un, c'est vrai qu'on n'est pas super fan des jeux sur, euh, sur téléphone. Bon, en vrai, on avait joué comme des dingues à Harry Potter Wizards Unit. Hein. Bon, même pendant le confinement, faut pas trop le dire. Mais on a adoré Harry Potter Wizards Unit. Vraiment. Mais c'est vrai que de base, les jeux sur téléphone, c'est pas tellement notre truc, alors qu'on est des très très gros consommateurs de jeux sur console. Donc. Bon, on va, on va quand même essayer d'y jouer. On va essayer de vous faire un petit retour sur ce qu'on en a aperçu pour vous donner un peu notre avis quand on y aura joué. Alors, on va pas vous faire comme pour War of Legacy avec des let's play, etc. parce que l'événement n'est pas du tout de la même ampleur et parce que, en plus, bon, à un moment donné, ça, ça emboliserait un petit peu trop la chaîne. On n'est pas une chaîne de gaming et euh, voilà, là, on va bientôt arriver au terme des let's play de War of Mais on vous fera une vidéo un petit peu plus tard quand on ira jouer euh, tous les deux. Là, on va être un petit peu pris par deux, trois projets qui nous prennent pas mal de temps ces, ces, ces dernières semaines mais voilà on va essayer d'y jouer on vous fera un petit retour euh, voilà, pour vous donner euh, notre avis avec spoiler et sans spoiler dans la même vidéo donc on commencera avec le sans spoiler au début puis à un moment donné on vous dira voilà si vous voulez pas spoiler vous partez et puis là on commencera à vous donner donc euh, un petit peu notre, notre avis euh, définitif sur, euh, sur ce jeu enfin bref en tout cas le fait est que cette sortie de Harry Potter la magie émerge, c'est, non, mais c'est imprononçable comme truc. À chaque fois, j'ai envie de dire la magie énerve. Ça énerve pas la magie. Ça émerveille. Ah D'ailleurs, la magie est merveille. Oui, ça serait mieux. Bon, bref, pardon. Je fais une migration, mais ça me prend de temps en temps comme ça. Mais il ne faut, faut pas y faire attention. Bon, le fait est, en tout cas, que c'est une très très bonne nouvelle d'avoir ce jeu qui sort. Parce que, effectivement, bah, ça montre quand même qu'il y a une certaine vitalité encore du Wizarding World sur les plateformes, notamment sur les plateformes du monde magique. Alors, on sait que va sortir l'extraordinaire jeu Harry Potter Quidditch Champions. Que. Personne n'attendait véritablement et dont je ne suis pas sûr d'ailleurs que grand monde l'attend parce que la hype est redescendue à une vitesse complètement folle. Enfin bref, en tout cas le fait est que c'est une bonne nouvelle parce qu'au moins il se passe quelque chose. Et là, euh, bon, on sait qu'on est en attente de la série, il devait y avoir le Wizarding World Festival euh, cet été euh, aux États-Unis. Au final, on est le 27 juin, on n'a toujours pas une seule nouvelle. Bon, il y a eu tout un tas de bouleversements qui se sont produits, on ne sait pas ce qui va se passer avec les animaux fantastiques 4, euh, bon voilà, on sait que J.K. Rowling travaille sur la série, on sait aussi qu'elle travaille sur d'autres projets, mais elle ne veut pas dire lesquels, même si elle a dit qu'elle travaillait sur le huitième tome de Strike, d'ailleurs les éditions grassées, si vous passez par ici, ce serait bien de fouetter à un moment donné votre traducteur, ou de vous fouetter vous-même entre vous d'ailleurs, et de nous sortir enfin la traduction du sixième, parce que à un moment donné, ça va faire un an que le sixième, il est sorti. Le 7 sort au mois d'août et il est disponible en italien, en allemand et en néerlandais dès le mois de septembre ou d'octobre. Donc, mis à part si les éditions grassées sont absolument lamentables, ce qui au vu de leur catalogue est vraisemblablement le cas. Ce serait bien quand même de nous sortir enfin ce sixième tome que tout le monde attend parce qu'à un moment donné, bon c'est bien gentil de se foutre de la gueule de ses lecteurs, mais euh, voilà, il faut pas oublier que c'est les lecteurs qui payent à un moment donné. Donc euh, bon, voilà, bref, ça c'était le petit disclaimer parce que euh, vous savez qu'on est en, en conflit vis-à-vis -vis de la... Maison Grasset qui préfère faire des publications très très woke plutôt que d'honorer les contrats qu'ils ont avec J.K. Avec Rowling. Mais bon, bref, on s'arrête là. Euh, en tout cas, nous, euh, la sortie de ce jeu vidéo, c'est une bonne nouvelle. On va essayer d'y jouer, promis. On essaiera de vous donner notre avis, promis. Et on vous dira un petit peu tout ce qu'on a pu en penser. Donc vous dites-nous dans les commentaires si vous comptez y jouer, ou plutôt si vous comptez ne pas y jouer. Dites-nous un petit peu bah, ce que vous en pensez. Dites-nous dans les commentaires si vous avez commencé à y jouer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît Alors mettez euh, éventuellement spoiler si vous nous faites des spoilers. Nous. Concrètement, on vous le dit, on n'a pas peur de se faire spoiler sur Magic Awaken, donc vous pouvez y aller dans les commentaires, vous pouvez vous y donner à fond, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Donc on se retrouve samedi pour un let's play euh, qui va peut-être falloir d'ailleurs qu'on tourne, parce que je crois qu'on ne l'a pas encore tourné. Je ne sais plus, je ne sais plus exactement où on en est. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de plein de nouvelles choses et probablement peut-être effectivement un petit peu de la série Harry Potter. Mais ça, on le verra en temps et en heure. Donc on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine.